za mwana moto te bo akosangai abongwa ni pete bo awangata nzambe ya luna zamye luna zamye luna zamye David na zamba ayebana kikyo kukuma mkondima atako baba kola kima futa na musa koli d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est grandement ouvert en Belgique. Les 3 mars 2018, dans Mbokaya, Belgique, na ville Molenbeek, salle VET. Un grand concert gospel. Maman est avec la servante de Dieu, Maman Alphonsine Ndjubu. Tous en maté, vous avez vraiment pour nous adorer, pour nous sanjola, pour nous combiner la Nzambe Oyo Abongi Nalokum. À partir à 16h à 22h. Et pour tout contact, appelez-nous au numéro 446 619 20 78. Bienvenue à tous. L'insolu ya malonga pe ya kitoko eye mama e. Agence Casa Peneur Fouet eye pona bino. Bato nyo so bozali na mboka ya France. Bato nyo so bozali na mboka ya Allemagne. Bolingi bo beta masolo na batu ya Angola. Bolingi bo tinda biloko e koma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penuel Fred. Tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penuel Fred eza kaka po na bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penuel Fred po biloko na bango ekoma mobimba na Angola. Yokali solo, pour tout contact, appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fred. No comment. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et dans toutes les extrémités de la terre. » Par conséquent, le Saint-Esprit n'a pas seulement été donné aux Juifs, mais il a été aussi donné aux non-Juifs. Utilise ces supports matériels, le Saint-Esprit, pour transmettre ton habitation et ta puissance, afin que tu ouvres les yeux de ton peuple, que tu les amènes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, que tu leur fasses sortir des ténèbres pour les amener vers l'admirable lumière de Dieu. Paraclet, communicateur indispensable de la grâce, tiens-nous par la main, pénétrons la vallée de l'inspiration de la Bible. Visitons le merveilleuse galerie d'art des 66 livres au travers le Saint-Esprit. Parce que je sais que certaines vérités fondamentales de la Bible, comme de perles, elles ne se situent pas à la surface des eaux, mais c'est au plus profond de la mer. Et nous voulons plonger avec toi au prix de patients efforts pour y retirer de perles et les transmettre à ton Église. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous nous suivez sur www.nazareantv.com. C'est le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka a commis pour la restauration de valeurs spirituelles enversées dans l'Église, corps de Christ et ici au Congo.
Et donc, nous voici pénétrer les chapitres que nous sommes en train d'aborder. En recevoir Jésus-Christ et en recevoir du Saint-Esprit. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'expérience de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur implique le salut, mais c'est une expérience de la réconciliation avec Dieu. Mais cependant, en recevoir du Saint-Esprit, c'est l'expérience de l'investiture, en d'autres termes, c'est une capacité, une puissance spirituelle te permettant de comprendre le but pour lequel tu as été introduit dans les temps et de te dégager de cette responsabilité en sorte que la volonté de Dieu, elle est bien comprise sur la terre et exécutée par toi sur la terre avec facilité. Voilà pourquoi nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de ce deuxième socle. En fait, il y en a quatre. Le premier, nous avons dit, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Le second, c'est la découverte de ce que l'on a, qui nous aborde ce chapitre d'aujourd'hui. Le troisième, vous le découvrirez dans la suite des temps, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et le quatrième qui va conclure, c'est la maîtrise du facteur temps. En recevoir Jésus et en recevoir du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, je paraphrase. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de l'Éternel leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel enfant de Dieu sont nés ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté des sangs, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, recevoir Jésus-Christ est une expérience autre. Et recevoir aussi le Saint-Esprit en est une autre. Voilà pourquoi la déclaration qui dit recevoir Jésus-Christ n'implique pas le baptême du Saint-Esprit et ne l'entraîne pas automatiquement. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, il dit aux apôtres, c'est vrai, vous avez passé 3 ans avec moi. Je vous ai enseigné toutes choses. Mais la capacité de devenir des témoins doit être précédée d'abord du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est lui la puissance qui te donne la capacité d'exécuter jusqu'au moindre détail le but pour lequel Dieu t'a introduit dans les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder 2-3 références bibliques. En fait, c'est pour dire quoi? Il y a 2 raisons d'être sur la terre. La première, c'est la raison d'être spirituelle. Ça veut dire le ministère de la parole. Comme ça que vous verrez, on parlera de beaucoup de choses, le ministère de la parole des connaissances, ainsi de suite. Mais avant de commencer à être témoin pour annoncer l'évangile, faites très attention. Tout le monde peut parler de la Bible, mais tout le monde ne peut pas prêcher la Bible. Parce que la Bible est l'émanation de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 7 au verset 9, nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Voici ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés au ministère de la parole, nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse et elle est cachée. Mais que Dieu, avant des siècles, avait prédestiné pour notre gloire. C'est-à-dire que l'évangile qui est dans ta bouche, c'est l'expression de la gloire de Dieu dans ton corps. Mais cette sagesse que tu dois commencer à prêcher, si tu es appelé au ministère, en accord avec Éphésiens 4, 12, il faudrait que tu saches que tu ne prêches pas ce que tu as entendu d'un homme. Hosanna. Que tu n'es pas l'écho d'un pasteur pour reproduire une quelconque prédication. Car la reproduction d'un ministère, d'un message de quelqu'un, cela n'est pas mauvais. Mais on ne reproduit jamais l'onction de quelqu'un. Voilà pourquoi et tu dois retenir dans ta tête, toi qui me suis, toi qui as eu des visions, toi qui as eu des songes, toi qui estimes que tu es appelé au ministère de la parole, tu dois reconnaître que le ministère que Dieu t'a donné, en toi c'est l'expérience de la gloire. En fait, cette gloire, elle est en même temps un mystère
Elle est en d'autres termes aussi cachée. Voilà pourquoi, lorsque tu lis ce verset, tu comprends vers le verset 8. La Bible dit ceci. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue. Car s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ, le roi de gloire. 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Voici la définition du mystère. Et donc la prédication de ton ministère ne doit pas reposer sur les prédications des autres que tu as notées dans les cahiers. Ça doit être des enseignements que l'œil n'a pas vus. Et même si tu as entendu cette prédication de quelqu'un, il y aura toujours une dose que celui qui l'avait prêché n'avait pas vu que toi tu dois voir. Même si tu chanteras la chanson de quelqu'un, cette chanson, certes tu l'as entendue de quelqu'un, mais il y a un mystère qui est caché en toi et qui jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que la dose du Saint-Esprit qui peut te révéler une autre façon de chanter, une autre dose de paroles à ajouter que celui qui l'avait fait auparavant n'avait pas vu. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Et ce sont des choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Mais comment est-ce que cela sera logé dans ton esprit? C'est ça la question. Comment ce mystère qui est caché sera-t-il dévoilé dans ton esprit? La réponse est simple. Le verset 9. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc vous comprenez par ici, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui prêchent l'évangile en accord avec la science des facultés économiques. Il y a des gens qui prêchent l'évangile en collaboration avec la faculté de droit qu'il avait fait. Voilà pourquoi tout le temps quand il parle, vous verrez des citations liées au droit. Vous verrez des citations liées à l'économie. Principe de parcimonie, mutatis mutandis, ceteris paribus. Alors que dans ta bouche, tu devais avoir la pensée de ce qui est révélé. C'est-à-dire, la Bible est composée tellement de beaucoup de versets, il faut que l'expérience de l'investiture prenne place, afin que comme Israël, tu quittes l'Égypte pour traverser le désert, ensuite devant la rivière de Jourdain, que tu prennes les 12 pierres qui représentent les 12 enfants d'Israël, que tu les jettes dans le Jourdain. Et lorsque vous traversez, c'est la mort et la résurrection au travers le baptême que tu as reçu au nom de Jésus-Christ. Ramassez les 12 autres pierres pour entrer en Canaan. C'est l'expérience de la résurrection avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le parvis fut construit selon trois dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Voilà pourquoi l'homme est composé en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Toi qui me suis, combien n'as-tu pas fourni des efforts pour abandonner la drogue? Combien n'as-tu pas fait d'efforts pour abandonner l'homosexualité, la pédophilie, le péché et tout autre péché que je ne saurais pas citer ici? Il n'y a que le Dieu de paix qui peut te sanctifier lui-même. La sanctification que tu cherches dans ta vie, ce n'est pas la compétence de l'homme extérieur. L'homme extérieur tombera toujours vers le péché. C'est lui qui te fera toujours pécher. Mais l'Esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux a le pouvoir de marcher contre la pesanteur. Et il faut que cet esprit qui ne tombe pas sur la terre habite en toi. Voilà pourquoi nous parlons de la Trinité. Il existe un seul Dieu au ciel, mais sur la terre, il dispense sa connaissance en trois dimensions. Première expérience, Dieu étant inaccessible, Noé a parlé avec lui. Moïse a parlé avec lui, mais personne ne l'avait touché. Mais par souci d'être touché, la première expérience, il entre dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, en Jésus-Christ, c'est la manifestation accessible pour qu'il soit touché. Mais comme Jésus ne pouvait pas entrer en l'homme, étant donné qu'il y avait sept expériences qu'il devait vivre, il devait passer les sept expériences. Ensuite, après son départ, il transmettait maintenant cette puissance au Saint-Esprit afin que tout le monde soit tout touché. Et cette expérience n'est transmissible que par l'expérience du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à la maison, voilà pourquoi tu verras Jésus là. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion avec le Saint, ça veut dire que par l'amour de Dieu, il a tellement aimé lui-même qu'il a donné un fils.
C'est-à-dire, il a donné une forme physique à lui-même. Et maintenant, à travers Jésus, abonde les grâces et l'infinie grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, Ephésiens, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Hosanna. Préparez-vous parce que nous allons expérimenter le Saint-Esprit. Ephésiens, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite du Père. Il a déployé toute sa puissance en Christ. Parce qu'en Christ, vécu sous la forme charnelle, Dieu voulait s'identifier à la souffrance de l'homme en devenant palpable. Mais Jésus, à son tour, ne pouvait pas entrer en l'homme et déployer toute la grâce qu'il avait. Il nous dit, Dieu a montré son amour en me créant moi. Moi, dans ma grâce, je vous ai donné le Saint-Esprit. Maintenant, pour que le Saint-Esprit te donne l'expérience de l'investiture sur la terre, pour que tu sois capacité à faire descendre le trône de Dieu sur la terre, il faut que tu sois en communion avec hein? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit en communion avec le Saint. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, le seul mécanisme de vivre Dieu sur la terre, c'est d'être rempli par la puissance dite. Mais maintenant la question se pose, est-ce que si quelqu'un reçoit Jésus, immédiatement est-il baptisé de la puissance du Saint-Esprit? Non. Lisons Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 14 au verset 16. Préparez-vous, bientôt l'expérience du Saint-Esprit va couler dans ta maison. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ et le peuple dit Amen. Amen. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur hein, Jésus. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, tu peux recevoir Jésus aujourd'hui 20 ans, 15 ans, mais tu demeures encore en Égypte. Ils ont fait 40 ans. Tu peux traverser le désert 20 ans, 15 ans, mais tu es encore dans l'expérience de recevoir Jésus. Pour que tu entres dans l'expérience de Cana et exercer la prière en esprit, comme Paul dit, Dieu que je sers dans mon esprit, il faudrait que tu connaisses la mort et la résurrection. Voilà pourquoi il finit à Nicodème. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né. Alors que Jean chapitre, Matthieu chapitre 6, le verset 30 au verset 31, à la fin il dit, recherchez d'abord le royaume de et sa justice et tout vous sera donné par. Le dessus ne veut pas dire matabiste, ça veut dire tout simplement que lorsque ton esprit commence à habiter le ciel, en accord avec Ephésiens chapitre 2, le verset 6, Dieu nous a ressuscités ensemble avec hein, Christ. Il nous a placés dans le lieu céleste en Christ. Hein? Maintenant, là-bas, tu as la possibilité d'ouvrir le ciel, car la richesse, le bonheur, l'argent n'est pas citoyen d'une nation. C'est ce que Dieu donne pour quelqu'un qui habite le royaume de. Voilà pourquoi nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1 à 3. Hosanna. Actes chapitre 19, le verset 1 à 3. Je regarde quelqu'un qui me suit à la maison. Jésus-Christ marchait tous les jours. Jésus-Christ appelait les gens tous les jours. Mais à l'unique exception, c'est le jour où il a reçu le baptême. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est alors même André qui était disciple des gens. Il faut bien comprendre les choses. Même André qui était disciple des gens, le Baptiste, a quitté. Il y a des gens qui doivent te suivre. Qui sont encore entre les mains de certains administrateurs. Tu as des maisons qu'on doit te lâcher comme ça pour te les donner. Mais le problème, tu n'attireras pas ces gens-là parce que l'esprit qui convainc n'étant pas encore rempli. Hosanna. Actes chapitre 19, le verset 1 à 3. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui,
c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, je t'avais dit un jour lorsque je pressais sur le délai préparatoire au leadership spirituel, il y a certaines personnes qui sont suscitées par les corps de Christ. Ils peuvent ne pas avoir une église. Ils peuvent ne pas avoir un bâtiment dans lequel les gens se réunissent. Mais il est devenu Éphésiens chapitre 2, le verset 21 au verset 22. En lui habite corporellement l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est partout où il part, il est en train de susciter les générations. Je dis aux bien-aimés qui me suivent, lorsque vous voyez moi, je suis en train de demander aux frères de répéter la prière. Sachez-le bien, avant que Jésus-Christ vienne, les gens priaient. Les gens parlaient avec Dieu, ils communiaient avec Dieu. Mais pourquoi sont-ils arrivés au point où ils ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous comment prier. Dans le délai préparatoire au leadership spirituel, le maître fait, les disciples regardent. Le maître dit, les disciples répètent. Après plus ou moins 6 mois au moins de formation, c'est alors que le maître peut se permettre, même 6 mois ou 7 mois, c'est alors qu'il peut se permettre de faire et de demander aux disciples aussi de faire. Mais il arrivera à un moment donné, parce que les gens doivent être un avec Dieu, le maître qui enseigne doit disparaître pour en laisser le Seigneur avoir une expérience avec ceux qui commencent à parler eux-mêmes. Tout le monde ne sait pas prier. L'exaucement d'une prière en intelligence est lié à la connaissance de la parole de Dieu que tu as stockée au niveau de ton âme. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 43, au dernier verset dit, lisons. Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, excusez-moi, le verset 26. Lisons au nom de Jésus-Christ ensemble. Réveille ma mémoire. Un de toi, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour... En fait, lorsque tu pries, c'est une justification auprès de Dieu. La Bible dit, ce dont il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Le fils ne s'est pas justifié devant Satan selon ses propres paroles. Parce que le diable connaît les Écritures. Et Jérémie 1,12 a dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, lorsque tu pries, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore donné la capacité de comprendre les ainsi dit l'Éternel, il est difficile dans ta prière que tu réveilles la mémoire de Dieu. Or, la mémoire est une faculté de l'homme âme. Mais comment Dieu, qui n'a pas de corps physique, demande qu'on rappelle sa mémoire? En fait, c'est une façon de dire, présente-moi les références que j'ai dites pour que moi, à mon tour, je me sente lié pour te donner la réponse. Hosanna, nous allons prier. Écoutez-moi bien, être enfant de Dieu, c'est un état. C'est l'exercice d'un pouvoir. Mais être fils de Dieu, c'est la conduite. Je rappelle, ne te vante pas de ce que tu es un enfant de Dieu. C'est un état. Parce que ça implique l'exercice d'un pouvoir. En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais être un enfant de Dieu, c'est une conduite. C'est un caractère. C'est un état. Et pour que tu parviennes à cela, il faut que le Saint-Esprit, en accord avec Romains chapitre 12, le verset 1, je vous en conjure par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice. Hein? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu peux être enfant de Dieu, mais célébrer un culte non raisonnable, déraisonnable. Mais c'est quoi le culte déraisonnable? C'est lorsque, bien aimé dans le Seigneur, sais que ce que tu fais dans la vie, le Saint-Esprit ne les sanctionne pas chaque fois par une référence biblique. Tu es conduit par tes propres pensées. Or, la pensée de l'homme ne peut pas accéder dans les champs de Dieu. Tu es comme un esclave en accord avec Galates chapitre 1. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Parce que quand on veut parler de l'intimité, des secrets qui engagent l'avenir de la famille, on dit à l'esclave, sort. Hein? Est-ce que tu peux maintenant savoir que Dieu peut te toucher? Est-ce que tu peux maintenant savoir que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, il faut qu'il descende? Nous n'enseignons pas seulement le Saint-Esprit, mais nous les pratiquons dans notre vie. Je veux que quelqu'un reçoive la guérison sans l'imposition de la main de quelqu'un. Je veux que quelqu'un ait la réponse et la paix intérieure sans que je ne puisse être touché. Car le Saint-Esprit est là en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Alors avant de prier, une question sera donc importante. C'est de savoir combien de gens doivent-ils recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. Nous terminons par Actes chapitre 2.
le verset 37 au verset 39. Hosanna. Béni soit le nom de l'Éternel. Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39. Vous y êtes? Lorsque vous lisez Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39, voilà ce que dit les Écritures. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent, oh mes frères, que ferons-nous? Parce qu'après avoir entendu ce message, tu dois te poser la question, oh mes frères, Roger Baka, que dois-je faire pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Pour que cette eau puisse couler de mon sein. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 7, 37 à 39. Il dit, celui qui boira de mon eau, en fait, celui qui recevra le baptême du Saint-Esprit, il sera comme un fleuve, où les eaux couleront. Or, le verbe couler de son étymologie veut dire répandre à flot beaucoup de choses. Quand mon image dans le robinet, l'eau sort en grande quantité. Répandre à flot, ça veut dire ta bouche va commencer à dire beaucoup de choses. Mais en accord avec 1 Corinthiens 14, 14, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mais combien de gens vont-ils recevoir cette eau? C'est ça la question. 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont hauts, loin, en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appelle. Le Saint-Esprit est pour moi. Répète, il est pour moi. Il est pour moi. Il est pour mes enfants. Il est pour mes enfants. Il est pour tous ceux qui sont au loin, même en Europe. Il est pour tous ceux qui sont au même. En aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appellera. En aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appellera. Ne bloque pas le Saint-Esprit. Hosanna. Tokangimisu. Monsongiri. Shalanani. Hosanna. Monsongiri. Shalanani, Chenabiani, Nebukole, Shalanani, Nipa Wibi, Monsungiri, Shalanani, Hosanna, Monsungiri, Shalanani, Chenabiani, Nebukole, Shalanani, Nipa Wibi, Toke. Bawi bawi bi bawi bawi bi bawi bawi bi masia wa moyo chena byani nebukole shalanani ni bawi bi. La chanson veut dire l'aide consolateur soit avec moi, soit à côté de moi. Amen. L'aide consolateur soit avec moi. Je n'ai pas la force de résoudre le problème aussi nombreux qui sont devant moi. Alors toi, sois à côté de moi. Mais heureusement pour nous, nous n'avons pas reçu l'Ancien Testament. Nous avons reçu l'onction du Nouveau Testament. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est sur toi. Il n'est pas seulement sur toi, mais il est aussi en toi. Hosanna. Toyembi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yemma alléluia, amen. Oh alléluia, amen. Yeah alléluia, amen. Yemma yemma alléluia, amen. Oli mo santoué, kita o salaye, alléluia. Yemma alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Olo biso awa to vandi papa, kita o salaye. Amen. 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 Amen.
Je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Les communicateurs indispensables de la grâce. Les communicateurs indispensables. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans Marc chapitre 16, le verset 17. Dans Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront crié à mon nom. Ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ce matin. Ce matin. La puissance du Saint-Esprit en moi. La puissance du Saint-Esprit. Me donne le pouvoir de chasser les démons. Me donne le pouvoir de chasser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Actes chapitre 2, le verset 2 à 4. Acte chapitre 2, le verset 2. Ils firent tous. Ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et ils se mirent. Et ils se mirent à parler en de nouvelles langues. À parler en de nouvelles langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Non pas de manière passive. Mais de manière active. Donne-moi l'expression du parler en langue. Donne-moi l'expression du parler en langue. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans 1 Corinthiens 14, 14. Dans 1 Corinthiens 14, 14. Quand je prie en langue. Quand je prie en langue. Mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est de mère stérile. Mon intelligence est de mère stérile. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 2 au verset 3 déclare. Le verset 2 au verset 3. En effet, celui qui parle en langue. En effet, celui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise. Il édifie l'église. Il édifie l'église. Il les exhorte. Il les exhorte. Il les console. Il les console. Mais moi. Mais moi, je reconnais aujourd'hui, que celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même, construit ta maison à moi, au travers le Saint-Esprit. Amina, lélé. Amina lele, 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 amina
Amina lele, Amina lele. Je vore no bo shikere bo, Shinda baba. Donne-toi de la taille au nom de Jésus. Ike maraba sendere bokanta, ndoro bo shekere bokanta. Kuria maraba 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 maraba. Re ba 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 ba. Père, délie la langue de ton peuple. Délie la langue de ceux qui nous suivent à la maison. Saint Esprit, transmets-toi en eux et occupe leur langue au nom puissant de Jésus. Fais renaître les dons spirituels. Tous prophétiseront. La promesse est pour moi. La promesse est pour mes enfants. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que l'Éternel et Dieu les appellera. Au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, 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 béni soit le nom du Seigneur. Oh, oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, 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 béni soit le nom du Seigneur. Oh, oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, vous qui nous suivez à partir de la maison, vous pouvez être baptisés. Nous passons l'expérience maintenant de la prière afin que le baptême du Saint-Esprit ait lieu. Vous êtes en train de nous suivre sur www.nazaréentv.com. Il est temps que cette année, l'Éternel fasse quelque chose de remarquable pour ta vie. Le mariage n'est pas ta finalité. Ce ne sont que des choses à manger qu'on te donne dans l'avion, mais tu as une destination. Béni soit le nom du Seigneur. Tout ce que tu as vécu, le Saint-Esprit peut le changer. Il est le seul qui peut prendre soin de toi mieux que moi. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans la phase du baptême du Saint-Esprit. Pour tout contact, veuillez nous appeler sur le 00243 998 82 0004. Là vous pouvez nous joindre sur Imo ou sur WhatsApp. Pour tout contact direct, vous nous appelez sur le 00243 90 79 785. Bien aimé dans le Seigneur, c'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Certes, nous allons arrêter de chanter en ligne, mais toi tu peux continuer, parce que le Saint-Esprit peut continuer l'œuvre avec toi. Il peut le faire au-delà de ce que nous avons fait aux Anna. Shinda Baba, Shinda Baba, Shinda Baba. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Nous allons avoir 30 minutes pour nous donner de la taille afin que nous puissions assister à la bataille de notre vie et remporter la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Car il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est grandement ouvert en Belgique. Les 3 mars 2018, dans Boka, Belgique, dans la ville de Molenbeek.
salle Vette. Un grand concert gospel. Maman est avec la servante de Dieu, Maman Alphonsine de Ndjibou. Tous en maté, vous avez été vraiment pour nous adorer, pour nous songer là, pour nous combiner la Nzambe Oyo Abongi Nalokum. À partir de 16h à 22h. Et pour tout contact, appelez-nous au numéro 446-619-2078. Bienvenue à tous. L'isolé à Malonga Peya Kitoko Eye Mama Haha. Agence Casa Peneur Fouette Eye Pona Bino. Bato Nyon Sobozali na Mboka ya France. Bato Nyon Sobozali na Mboka ya Alman. Bolingibo Beta Masolo na Batu ya Angola. Bolingibo Tinda Biloko Koma na Angola. Na Tangwe Longobani. Pena Mobimba na Yango. Ezali Kaka Agence Casa Peneur Fouette. Tinda mbongo na yo, tope tinde la bandeko mbongo, na biloko, na Angola, na agence Peneur Fouette. Eza kaka po na bato ba zwami na France, tope na Alman, nde ba kukiko tinda na Casa Peneur Fouette, po biloko na bangwe koma mo bimba na Angola. Yoka li solo, tout contact. Appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fouette. No comment. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya lo.